Bonjour et bienvenue au Carrefour des idées avec à l'affiche pour vous aujourd'hui cet ouvrage, Une jeunesse à l'ombre. Monsieur Souleymane Kadiatou Sylla, son auteur, nous fait l'immense plaisir, il va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Une jeunesse à l'ombre. Bien qu'ils soient mieux outillés pour saisir les opportunités qui les entourent, beaucoup de jeunes ont choisi le camp des spectateurs. Ainsi, d'une jeunesse à l'ombre, on passe à une vieillesse de galère, de malheur et de lamentation. Monsieur Sylla, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Parenthèse. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez écrit ce roman, j'imagine, c'est le premier roman, Une jeunesse à l'ombre. On va commencer par évoquer un peu votre ouvrage à partir de son titre. Pourquoi avoir choisi, ou alors disons, à quoi voulez-vous nous renvoyer en choisissant ce titre-là? À quoi nous renvoie déjà le titre, Une jeunesse à l'ombre? Pourquoi? Cette jeunesse, d'abord, quand on parle, le vocable jeunesse, c'est cette entité de notre société qui est vigoureuse, qui a de l'énergie, qui peut faire bouger les choses. Et malheureusement, nous constatons que cette jeunesse reste à l'ombre. Elle ne se bouge pas trop. Elle est là, elle veut tout avoir sans se bouger, dans la facilité. Elle est là, elle n'a pas d'objectif. Elle n'a pas de but à atteindre. Et comme ça, j'ai cherché un titre qui pourrait correspondre à cela. Je n'ai pas trouvé mieux que de dire que c'est une jeunesse qui reste à l'ombre en regardant ses responsabilités au soleil-là, sans se bouger. Allez, donc la jeunesse, une jeunesse à l'ombre, jeunesse donc qui un peu, on va dire, au calme, et donc en étant spectateur de votre point de vue, j'imagine, et voir tout se dérouler autour d'elle. Et d'ailleurs, Pour rentrer de plein pied dans ce roman, on rappelle, hein, Une jeunesse à l'ombre est un roman publié chez L'Armaton. Il fait 97 pages, donc disponible chez L'Armaton également. Alors, disons, en termes de structure, il y a des chapitres des titres, bien entendu. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant, hein, on va évoquer ça rapidement, c'est que à chaque fois que vous abordez un chapitre, hein, vous avez toujours une citation pour ouvrir ça. C'est charmant. Et puis, ensuite, c'est un roman aussi qui a, comme tout roman, un héros, enfin, un personnage principal qui est Bourama. Donc, il y a donc Bourama qui est un jeune, qui vient de l'intérieur du pays. Ça, c'est bon à préciser parce qu'effectivement, il va y avoir ce que vit Bourama, donc à Conakry, tout le temps par le narrateur raconté en opposition avec ce qu'il vivait en campagne, enfin à l'intérieur du pays plutôt, il faut dire. Et c'est aussi ce décalage entre ce que Bourama vivait à l'intérieur du pays et avec ce qu'il découvre et ce qu'il va vivre dans la capitale Conakry. Disons donc que votre ouvrage tend le décor, c'est Conakry, donc la capitale de Guinée. Ouais. Et puis autre chose aussi intéressant en termes de personnages, peut-être pour permettre aux téléspectateurs de partager avec nous aussi l'histoire que vous racontez, c'est que Bourama est a terminé sa licence à l'intérieur du pays, donc vient à Conakry, donc comme pour nombreux jeunes, même ceux qui n'étudient pas, viennent à Conakry pour tenter d'obtenir une embauche. Exactement. Alors, il va donc habiter chez son oncle, qui est un personnage central aussi. Son oncle est Amadou. Lui est fonctionnaire au sein d'une commune. Donc, il est officier d'état civil. Ce qui est intéressant sur cet autre personnage, justement, c'est que vous présentez un personnage, donc un fonctionnaire, et on aperçoit dès les premières lignes, d'ailleurs, qu'on va partager tout de suite, c'est que il a déjà sa famille, lui, donc ses enfants. En plus de ses enfants biologiques, il y a, je crois, un cousin qui vit dans la famille. Et
à cause de ses moyens très limités, donc son salaire ne lui permet pas de vivre, on va dire comme ça, convenablement. Hein. Donc à travers cette famille-là, vous nous montrez un peu comme si c'était un prototype de fonctionnaire et voir comment ils vivent. Et puis la façon, disons, difficile de joindre les deux bouts, comme on dit, le mois commence plutôt bien au fur et à mesure qu'on avance dans le mois, eh ben, la ration alimentaire, ça se sent, tout se sent tout de suite dans la famille. Et puis, malgré ces moyens limités, Amadou, donc l'oncle de Bourama, est quelqu'un de très rigoureux, on s'aperçoit. Bon. Sa petite famille, les jeunes les plus grands, ne peuvent pas vivre dans la petite maisonnée. Donc ceux-ci dorment chez des copains, mais il a des règles où à la fin de chaque 18 heures, la prière de 18 heures, obligatoirement doit trouver Bourama, tout le monde dans la famille. Une jeunesse à l'ombre, donc roman, hein, tout nouveau roman de Souleymane Kadiatou Sylla. On en parle donc avec l'auteur sur le plateau de Parenthèse. Alors on partage tout de suite un premier, comme en avant-goût. Hein, donc comme je disais, chaque entrée, il y a, une citation. Et la toute première, c'est, je cite, « N'allez pas où le chemin vous mène, dites-vous. » Allez au contraire là où il n'y a pas de chemin et laissez une piste. Donc c'est de Ralph Waldo Emerson. Et puis on poursuit. Que ressentez-vous lorsque vous vous imaginez en train de passer la nuit au milieu d'une colonie de moustiques affamés? Imaginez la peine que cela représente si vous avez tout le corps nu. Pourtant, à comparer cet endroit à la pièce que les jeunes appelaient chambre, Bourama préférait bien le premier, parce que là, au moins, il aurait la possibilité de mieux respirer, mieux entre guillemets. L'obscurité était dense, il n'y avait pas d'électricité depuis quelques heures, pas d'éventail non plus. D'ailleurs, même s'il y en avait, sinon qu'à attirer d'autres insectes, son apport serait inefficace contre cette chaleur qui semblait provenir d'une forge chargée d'équiper une armée envahie. Fin des citations. Voilà comment on rentre un peu dans ce récit. Bourama avait du mal à trouver sommeil dans ce four, dites-vous, surtout qu'il ignorait l'emplacement de la fenêtre et était couché au milieu de personnes inconnues qui dormaient pourtant comme si de rien n'était. Il dut réveiller un parmi eux. « Mon frère, dit-il, où se trouve la fenêtre ?» Là-bas, indique l'inconnu d'un geste de la main. Alors, je parlais de décalage entre le lieu d'où venait l'intérieur du pays et Conakry. Déjà, on commence avec ça, le récit commence avec ça. Bourama qui découvre le lieu qui va être sa nouvelle chambre où il va dormir. Ils sont nombreux, c'est exigu. Hein, c'est un peu le reflet aussi de ce qu'on connaît en matière d'habitat, ce qui est différent de l'intérieur du pays. C'est pour ça que j'ai parlé de décalage entre cette urbanité et tout ce que l'on découvre, bien entendu, en tant qu'habitant de Conakry, on s'en aperçoit. Et donc, voilà. Et donc, vous parlez dans ce premier passage, déjà dans ce premier chapitre, d'entrée au temple. Vous décrivez ce lieu où les jeunes ont l'habitude de se retrouver. Donc, Bourama va découvrir ce temple, on va dire, ce temple urbain. Le temple ici, on s'aperçoit à Conakry que les jeunes aiment se regrouper. Et souvent, c'est autour du thé et par endroits, on voit que ces genres de regroupements sont très nombreux. Donc, puisqu'il n'y a pas une appellation conventionnelle, j'ai préféré mettre temple pour distinguer, pour désigner tous ces endroits-là, tous ces endroits où les jeunes se regroupent. Ils n'ont pas assez d'objectifs à atteindre, ils préfèrent passer, tuer le temps pour... C'est sauver aussi des surveillances familiales qu'ils jugent parfois, que c'est trop exigeant. Donc, finalement, ils aiment rester, passer toute la journée au temple et parfois même la nuit. Oui, alors parfois même la nuit, une jeunesse à l'ombre. Alors, Souleymane, c'est que effectivement, la première découverte de Bourama, votre personnage, dans ce temple-là, c'est que bon, c'est un endroit effectivement où les jeunes se retrouvent. Sauf que en lisant votre livre, on s'aperçoit aussi qu'il y a, je dirais pas,
fiction, mais il y a quelque chose d'un peu paradoxal. C'est un lieu, d'après ce qu'on a pu saisir, qui est aussi un lieu d'oisivité, hein, où ils racontent, les jeunes, ils racontent leurs problèmes, leurs rêves. Et souvent, vous décrivez ça aussi, voilà, et ça reflète une certaine réalité. Mais là-dedans, vous dites, et c'est ça qui est très curieux au regard du lecteur que je suis, c'est que malgré que c'est un lieu aussi où on sent l'oisivité des jeunes, mais c'est un lieu où, dites, il y a comme une espèce de tradition. Il y a quelque chose de culturel, de traditionnel en termes de respect dans ces endroits-là aussi. Ça veut dire que c'est toujours les étrangers qui sont les premiers servis, ou même les mieux servis. Celui qui sert tout le monde est le dernier à être servi. Oui, dans ces temples, j'ai observé dans beaucoup d'endroits que si vous partez, par exemple, autour du thé, nouvellement venu, vous êtes souvent le premier à être servi. Et après les étrangers, il y a les leaders qui sont servis en deuxième, parfois. En tout cas, la priorité est donnée à ces types de personnes, à ces différents statuts, les plus âgés, les jeunes, les leaders, et ainsi de suite. Donc, je me suis dit que cela reflète un peu les valeurs traditionnelles africaines dans l'hospitalité, qui met en valeur le statut de la personne au sein de la société. Donc, c'est un peu ça. On retrouve cet indice-là dans les temples. La jeunesse au cœur de notre numéro d'aujourd'hui, hein, et d'ailleurs, l'ouvrage qui fait l'objet de notre numéro, a pour titre « Une jeunesse à l'ombre », donc rédigé par Monsieur Souleymane Kadiatou Sylla sur notre plateau pour en parler. Alors, votre ouvrage, c'est une série, hein, qu'on peut dire comme ça, si vous allez nous dire, hein, si vous êtes d'accord ou pas, c'est une série, on va dire, d'événements. Vous racontez l'histoire autour d'une série d'événements et chaque événement a un titre. Hein. C'est comme si c'était une série anecdotique sur la vie au quotidien à Conakry. Et ce qui nous permet justement de là, on a parlé de on est rentré dans le temple et après un épisode, enfin un événement extrêmement intéressant, c'est que au fil et à mesure qu'on tourne les pages, vous nous faites découvrir sous le regard de Bourama, votre personnage principal, qui est un personnage très attachant, bien entendu. Et puis, il découvre les lieux et les événements. Donc, vous nous faites découvrir d'abord son environnement familial. Donc, effectivement, le temple, là où les jeunes avec lesquels il partage la même chambre, il fréquente. Donc, il va découvrir ces choses qu'il ne connaissait pas, les smartphones et puis l'actualité au quotidien à Conakry. Mais les week-ends. Les occupations principales des jeunes. Là, Bourama va découvrir aussi effectivement que les week-ends sont les moments où les jeunes vont mettre à exécution les projets qu'ils ont eus pendant toute la semaine. Exactement. C'est les moments de divertissement, les boîtes de nuit notamment, et puis d'autres choses, la célébration des anniversaires, et etc. Et là, particulièrement, vous soulignez une soirée dans une boîte de nuit. Donc, Bourama va découvrir cette soirée où, effectivement, il va y avoir une vente aux enchères. Parlez-nous-en, parce que c'était un peu spécial, cette vente aux enchères. Il vous permet de ressortir un autre problème. On voit que dans les quartiers, surtout de la banlieue de Conakry, souvent, on voit que les jeunes, ils sont très engagés. Ils ont beaucoup d'énergie dans ces genres de futilités. Par exemple, si certains qui ont des parents un peu nantis qui peuvent les aider à avoir beaucoup d'argent. Ceux-ci, ils mettent dans ces genres d'endroits, les boîtes de nuit, dans les activités récréatives qu'ils montrent leur force. C'est dans ça qu'ils sont très influents. C'est pourquoi j'ai voulu mettre un accent sur la vente aux enchères que j'ai mis dans le livre. J'ai vu que c'est quelque chose qui est beaucoup pratiqué dans les boîtes de nuit. On va voir quelqu'un, il préfère acheter une canette de jus, par exemple, à 800 000 francs, juste pour convaincre le public. Peut-être que pour lui, c'est un accomplissement, alors qu'il a des responsabilités à assumer à travers cet argent-là. Il pourrait mettre ça quelque part et tirer beaucoup plus de profit.
Alors, c'est vrai que pour ce cas précis, je parle à partir du regard de Bourama, d'ailleurs, qui est raconté par le narrateur, c'est que Bourama, alors, la soirée se déroule, le boss, ça danse, ça chante, et puis à un moment donné, il y a un animateur qui vient et qui attire l'attention de tout le monde et indique que la vente aux enchères va commencer. C'était un poulet hein, qui est garni de sorte que vous dites même, hein, c'est comme s'il n'était pas destiné au récit. Ne manque pas d'ironie, vous dites que le poulet est tellement garni qu'on croirait que ce n'est pas destiné pour être mangé. Ouais. Alors, effectivement, il y a un premier candidat qui annonce une somme, et puis pendant qu'on pense que lui va remporter le poulet, et il y a un deuxième qui mise plus fort, et ensuite un troisième, jusqu'à ce qu'un dernier qui vient demander. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de curieux, hein, c'est que, croyez-moi, je dis pas au courant de ça, en fait, vous expliquez que cette vente aux enchères, il y avait une particularité, c'est que non seulement celui qui remportait avait le poulet, donc qui va déguster, mais en même temps, la vendeuse, ah oui, la vendeuse de poulet. Oui. Alors, ça, c'est curieux. Oui. Et puis, bon, c'est vrai, pour raccourcir, parce qu'il y a effectivement pas mal, on pourrait dire plein de choses sur tous les autres sujets, c'est que au finish, il y a un personnage, un jeune. Ils sont tous jeunes, hein, c'est ça. Il y en a un jeune qui achète le poulet, je ne sais plus à combien, j'ai oublié le montant, mais à une somme qui ne peut pas être disposée par un jeune étudiant, parce que ce dernier était étudiant. Et là, Bourama va demander à Soriba, mais celui qui a remporté, Castel. Qui a acheté le Castel, il s'appelle Castel d'ailleurs, celui qui a acheté le poulet, qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Et bon, Bourama va l'informer que c'est le fils du directeur national des impôts. Donc justement, il y a toute une réflexion que les jeunes se font. Mais comment ça se fait? Lui, il peut s'acheter tout ça. Et d'ailleurs, pour célébrer sa victoire, hein, ce Castel qui a acheté le poulet, il l'achète à consommer à tout le monde. Voilà, on découvre aussi que l'alcool coule à flot. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger pour des jeunes gens. Eh ben, l'alcool, ça boit beaucoup, des jeunes filles, des jeunes garçons, etc. Et donc, on découvre à travers Bourama cette haute ambiance, cette haute façon de vivre, hein, des jeunes, donc à Conakry. Et là, il y a des échanges qui sortent de là. Comment se fait-il que un jeune étudiant, parce que simplement son père est directeur national des impôts, peut rouler dans plusieurs voitures à la fois, donc il drague les filles, vous le dites, et puis bon, il vit, mais voilà. Alors que Bourama et ses copains, ils vivent dans une famille où on a du mal à joindre les deux bouts. Une jeunesse à l'ombre, donc aussi un voyage auquel nous invite l'auteur à travers des réalités dans lesquelles vivent les jeunes. Et effectivement, on va découvrir au fur et à mesure, et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, d'un événement, on va à un autre événement. Et le prochain, d'ailleurs, que j'ai noté, c'est donc cette danse, le Namouni, où d'ailleurs, vous en profitez, hein, en tout cas, on s'aperçoit, vous interrogez notre culture, comment elle se fabrique, hein, la culture, parce qu'effectivement, cette danse qui s'appelait au départ le Farenyari, qui veut dire la mauvaise danse, hein, avait une réputation sulfureuse. Mais vous dites, comment se fait-il qu'une danse qui a une aussi sulfureuse réputation peut attirer de plus en plus les jeunes. Et donc, à travers une manifestation de cette danse, à laquelle Bourama, encore une fois, va assister, et d'ailleurs, il y a un événement, hein, qui se produit dans cet événement, c'est que en pleine démonstration de danse, toute la foule, c'est admirable, vous décrivez la foule, la ronde, même Bourama et ses copains n'avaient plus de place, hein, et ils étaient obligés de monter sur un grand caillou pour pouvoir apercevoir. Sauf que après ça, je voulais vraiment en parler avec vous, c'est que à un moment donné, il y a dans la danse, c'est une danse qui est très spectaculaire, vous décrivez, mais qui est moins pudique.
Hein, à telle enseigne qu'à un moment donné, la danseuse, la jeune danseuse, vous décrivez même qui est une adolescence, en pleine démonstration de danse, bah, laisse tomber son pagne. Et puis, laissant voir sa nudité. Et sous laquelle nudité, bah, le public est pris en liesse et les jeunes gens crient. Dites-nous un peu plus. Cet ouvrage, Une jeunesse à l'homme, c'est une œuvre dans laquelle il y a un bon mariage entre l'imagination et la réalité. En lisant, vous vous apercevez que certains événements qui sont abordés dedans ne sont pas que de simples imaginations. C'est des choses qui se passent à travers notre quotidien. Comme cette scène-là, c'est quelque chose qui s'était réellement produite, mais on ne pouvait pas la décrire de manière à indiquer ou bien à identifier les auteurs dans la réalité. Donc c'est pourquoi la peinture a été un peu superficielle comme ça. Alors, mais qu'est-ce que cela vous évoque? Parce que vous-même, vous êtes jeune. C'est ça qui est intéressant. C'est comme si on peut se permettre de dire, si votre ouvrage un peu s'offre aussi au lecteur sous cet angle-là. C'est-à-dire que c'est la jeunesse qui se regarde elle-même. C'est un peu comme si vous vous mettez vous-même en tant que jeune devant un miroir pour vous mirer. Vous savez, à un moment donné, il ne faudrait pas que tout vienne de l'extérieur. Il ne faudrait pas que tout vienne des aînés. Il faudrait que nous-mêmes, nous mettons en cause. Si nous voyons que chaque fois, nous avons ces problèmes, nous avons des problèmes par ici et par là, est-ce que à un moment donné, nous-mêmes, nous ne sommes pas des problèmes. Alors, il faut se mirer pour voir ce qui marche et ce qui ne va pas réellement. Donc, c'est pourquoi il y a eu ce regard dans le miroir qui a abouti finalement à une œuvre que vous détenez. Souleymane Kadiatou, Sylla, jeune écrivain, premier roman, donc Une jeunesse à l'ombre, et on pourrait dire un regard sur soi-même, en quelque sorte, et puis une observation, une description, une observation, et puis une analyse aussi sur les jeunes dont la capitale. Il s'agit de Conakry, où toutes les scènes donc se déroulent, mais on fait une petite pause là, on l'avait noté, on avait remarqué ça, c'est que du début du roman, dans beaucoup de scènes en tout cas, Bourama est un personnage principal qui n'est pas du tout actif. Il subit jusqu'à son accident, on va en parler plus tard, qu'est-ce qui explique ça? C'est que vous nous donnez un personnage principal, évidemment, qui est intéressant, mais aussi bien au café, enfin, au temple, dans la boîte de nuit pour les ventes aux enchères, sur la scène de danse au niveau de pour le Namouni et danse, enfin, il va avoir un passage du Farignari, donc la mauvaise danse, ce que ça veut dire, et au Namouni, donc la danse, les danses traditionnelles, tous ces événements là. Il n'est en réalité pas un personnage qui est en action, qui n'est porteur d'aucune action. En réalité, quelquefois même, il subit. Qu'est-ce qui explique de votre part, en tant qu'écrivain, de mettre un personnage dans cette posture? C'est-à-dire que ce jeune-là, il ne porte aucune initiative. C'est un peu, enfin, je dirais pas, on est un peu frustré en tant que lecteur, quoi, par rapport à ça. Oui, cet ouvrage est marqué par des périodes. La première période, c'est une sorte d'initiation à la vie citadine. Oui. Bourama vient, il n'est pas habitué à toute cette énergie, tous ces mouvements qu'on rencontre dans la capitale Conakry. Oui. Alors, dans un premier temps, comme tout nouveau venu, il doit observer. Oui. Et en observant, il s'aperçoit que c'est des événements auxquels il ne s'identifie pas mieux. Jusqu'à ce que dans les chapitres à venir, on va voir qu'il va maintenant tenter de changer ce qui se passe autour de lui. Mais ça, c'est dans les chapitres à venir, puisqu'on n'est pas encore arrivé là. Une jeunesse à l'ombre, malheureusement aussi, l'objectif de l'émission n'est pas donc de tout décortiquer. Et puis c'est pour ça d'ailleurs que on souhaite évidemment que
les téléspectateurs qui nous suivent de temps en temps ou même tout le temps, si c'est possible, évidemment qu'ils puissent s'offrir les ouvrages pour les lire. Et je pense que cet ouvrage, effectivement, de ce qu'on a pu tirer en le lisant, c'est que des jeunes de votre génération ont tout à gagner à le lire, et même aussi les parents, parce qu'effectivement, c'est un regard, pas un regard neuf, mais c'est un regard, on va dire, un peu réaliste, hein, et puis pertinent sur tout ce qui déroule à nos yeux. Et puis, d'ailleurs, ce qui est aussi, je pense, hein, intéressant, c'est que votre roman offre un spectacle qui se déroule sous nos yeux, et puis par moment, moi, j'ai pas arrêté de sourire par moment, hein, parce que, par exemple, il y a ce match de football, d'ailleurs, qui va faire écho à une actualité. Et c'est vrai que vous présentez ce match-là comme ultime, parce qu'effectivement, à l'issue de ce match, si la Guinée, le Sili National, remportait cette victoire contre l'équipe de Libye, la Guinée se qualifiait pour participer à la Coupe du Monde. Donc c'était une première. Il y avait donc cet enjeu immense. Et donc le match avait mobilisé, on va dire, tout le pays. Hein, et Bourama, encore une fois, toujours dans sa découverte de la capitale, venait pour assister. Alors, c'est vrai que, comme pour chaque événement, vous expliquez des choses. Il y a toujours la corruption qui est partout, parce que les tickets ne se retrouvaient plus. Hein, on s'aperçoit que des gens avaient acheté un lot de tickets pour ensuite le revendre plus cher aux abords du terrain. Et puis il y a souvent comme ça des petits éléments, mais qui ne sautent pas, qui retient l'attention du lecteur. Parce qu'il y a, je ne sais même pas pourquoi vous l'avez fait, mais il y a un ancien champion, un ancien international de l'équipe guinéenne qui voulait venir parce qu'il a arrêté de jouer parce qu'il a été malade. Il était venu pour regarder ses anciens coéquipiers jouer. Il n'avait pas de ticket et donc ne pouvait pas entrer. Entrer, exact. Il a fallu l'arrivée d'un richissime personnage connu pour l'aider à entrer. Bon, oui, voilà, de passage comme ça, vous titillez les lecteurs. Et donc ce match commence, hein, vous décrivez ça comme un journaliste d'ailleurs, ça c'est assez intéressant. Et la Guinée marque un but, la Guinée marque un deuxième but, vous racontez comment l'ambiance du stade était, les supporters en joie, hein, l'équipe adverse, quelques supporters, et c'était même la victoire était plus que acquise. Sauf que après la première mi-temps, pour faire court, l'équipe guinéenne a commencé à montrer des moments de fébrilité. L'équipe adverse en a profité pour marquer un but, égaliser le deuxième but et ensuite marquer un troisième but. Et puis toute cette situation était renversée et vous dites qu'il y a un manque de patriotisme. Voilà, parlez-nous un tout petit peu de ce passage. Voilà, et puisqu'on parle de la jeunesse, il est impossible de dissocier la jeunesse de certaines activités sportives comme le football. Alors il fallait en profiter et peindre un peu ce passage aussi. Nous avons constaté que premièrement, à travers ce match, on a vu la scène de l'ancien footballeur que vous venez d'évoquer tout de suite. On sent là que les artistes ou bien les hommes qui ont été des célébrités ne sont pas vraiment félicités, ne sont pas encouragés dans ce pays-là. Vous allez voir qu'ils n'ont que deux moments de gloire. Je l'ai mis dans le livre. Oui, c'est intéressant ça, ce que vous dites à propos d'ailleurs. Voilà, ils ont deux moments de gloire. Le premier, c'est quand ils sont convoités par tout le monde. Et le second, c'est quand ils meurent. On dit que tel artiste est mort, ou bien telle personnalité influente est décédée et tout le monde commence à féliciter, à faire des hommages posthumes. Mais je pense que cela ne suffit pas. Il faudrait que les gens soient célébrés quand ils sont vivants. Et à travers ce match aussi, on a vu que le problème de notre équipe nationale, c'est quelque chose qui est connu par tout le monde.
nous mettons suffisamment d'argent à leur disposition, de l'argent qui pouvait entrer dans d'autres secteurs, qui pouvait aider d'autres activités sportives, parce qu'il n'y a pas que le football. Mais, sauf que malheureusement, les gens, les footballeurs qui sont là, ils jouent, on dit qu'ils jouent pour eux-mêmes. S'ils jouaient pour la nation, il y a certaines choses qui ne pourraient pas se faire. On ne pouvait pas être éliminé par une nation comme celle évoquée dans le livre. Et à travers ce match, on a vu qu'on était très dominant. L'équipe était mieux supportée, le match était à domicile. Donc on était largement favorisé. Sauf qu'à un moment, on voit que nous nous laissons faire et puis on rate une ultime occasion. Maintenant, nous avons vu que les matchs dans ce genre de compétition, pour qu'il y ait la victoire, il faut une détermination des joueurs, bien sûr, mais il faut aussi que les supporters soient déterminés, qu'il y ait victoire ou pas. Par exemple, on ne doit pas insulter un footballeur ou un encadreur de football parce que l'équipe n'a pas remporté la victoire. Oui, parce qu'effectivement, vous racontez, lorsque la Guinée était menée, à la place des cris de soutien dans la première partie, et ben justement, quand l'équipe guinéenne était menée, c'était des jurons, voilà, les supporters, à la place de soutenir les joueurs guinéens, proféraient plutôt des injures à leur endroit. Voilà, et puis, effectivement, alors je rappelle pour ceux qui viennent donc de nous rejoindre, l'ouvrage qui fait donc l'objet de notre émission d'aujourd'hui a pour titre, je cite, « Une jeunesse à l'ombre ». Donc Souleymane Kadiatou Sylla, sur notre plateau, en est l'auteur. Alors, on va poursuivre, parce qu'effectivement, il y a quelque chose aussi de très, 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 très récurrent dans notre capitale Conakry. Hein, donc, ça fait vraiment écho à des réalités récentes que nous avons vécues. C'est une scène de manifestation. C'est-à-dire que c'est au cours, d'ailleurs, de cette manifestation que notre personnage principal, Bourama, va donc va être victime. Hein, il va prendre sur la tempe une pierre. Donc c'était une manifestation politique, enfin, ou une manifestation qui s'est transformée en manifestation politique, puisqu'il s'agissait de manifestations pour, je crois bien, réclamer le transformateur du quartier. Ça, c'est fréquent dans nos quartiers. Et donc, cette manifestation, racontez-nous un tout petit peu, et puis dites-nous l'intérêt de raconter cette manifestation, qui est différente des autres événements que vous racontez. La scène dans la boîte de nuit, c'est plutôt une scène de réjouissance. La danse Namouni ou Farignari, également scène de manifestation joyeuse. Le football, bien entendu. Et là, on rentre dans autre chose. Vous savez, je le dis toujours, la jeunesse ne peut pas être séparée, dissociée de certains éléments, de certaines choses qui sont fréquentes dans notre société. On a constaté que les choses n'ont de valeur que lorsqu'elles sont soutenues ou lorsqu'elles impliquent la jeunesse. Voilà. Et il y avait, dans cette histoire, il y avait un problème de transformateur dans le quartier. Donc les gens, ils sont restés sans regarder une finale, la finale de la Ligue des Champions. Oui. Donc, à cause de cela, une manifestation a commencé. S'est déclenchée. S'est déclenchée dans le quartier. Mmh. Et finalement, vous savez, certaines ne viennent, quand il y a une manifestation, par exemple, pour réclamer un transformateur, certaines ne viendront pas manifester pour réclamer un transformateur. Il se trouve qu'ils avaient déjà des projets de manifestation. Oui, les antécédents. Oui, mais donc des frustrations accumulées. Exactement. Donc à travers un événement, d'autres frustrations qui se sont accumulées déjà peuvent s'exprimer. Et c'est comme ça que l'affaire a dégénéré, ça a pris une grande ampleur. Même le responsable local est venu, on ne l'a pas écouté. Oui. Ça a dégénéré jusqu'à ce que notre personnage principal a reçu une pierre sur la tempe. Oui. Et ça aussi a conduit à... il est parti à l'hôpital et à son retour le soir, il y a une autre scène qu'il va voir aussi en défilant l'écran de son téléphone. Il va voir qu'une photo sur Facebook, il y a un jeune, on dit « Jeune Alimou », une publication. Il y avait un commentaire, c'était écrit « Jeune Alimou, tué par balle lors d'une manifestation ».
Maintenant, ils vont commencer à parler. C'est un jeune qui était familier à son oncle et à son cousin. Maintenant, ils vont voir Alimou, c'est un jeune qui était vraiment entreprenant. Qui avait de beaux projets. Qui avait même, disons, c'est une frustration, une société de technologie qu'il avait mis en place. Et cette entreprise-là grandissait. À un moment donné, ce Alimou aurait pu être, il pourrait être un Mark Zuckerberg, un KPC, ou bien devenir un Alimou qui serait un modèle pour d'autres jeunes. Mais malheureusement, la manifestation politique là a mis fin à sa vie. Une jeunesse à l'ombre de Souleymane Kadiatou Sylla, donc sur notre plateau. Et puis, on poursuit un peu les échanges autour des événements qui autour desquels s'articule l'ouvrage. Et puis, maintenant, arrive ce passage que, personnellement, j'ai, en tant qu'auteur, j'ai admiré, mais de façon très particulière. Donc, on va vous donner la parole sur ce passage-là pour que on partage ça mieux avec les téléspectateurs. Évidemment, ceux qui souhaiteront lire l'ouvrage pourront davantage saisir, peut-être partager le plaisir que nous on a eu en lisant ce passage. Il s'agit du pacte de Moneba. Alors, racontez-nous ce que c'est que le pacte de Moneba. Alors ça, c'est quelque chose qui sort d'une histoire de recrutement parce que la jeunesse, elle est encore associée à ce problème d'emploi, ce problème de chômage. Alors les jeunes du temple étaient partis déposer leur dossier de candidature pour un recrutement dans une entreprise et cela va durer jusqu'à un certain temps. Maintenant, une discussion commence entre eux, entre les gens qui étaient venus de divers horizons. Maintenant, il y en a qui vont parler. Il y a un monsieur qui va dire que ça fait 3 ans. Il a fait trois ans sans décrocher un emploi. Oui. Cela va étonner les jeunes du temple. Certains venaient de finir. Ils n'imaginaient pas. Ils commençaient à s'inquiéter. Comment on va faire 3 ans sans avoir d'emploi voilà. Sauf que, allez-y. C'était étonnant pour eux. Oui. Sauf qu'à leur grande surprise, il y a un autre qui était là qui dit « Ah, tu as fait 3 ans seulement. Alors tu es chanceux parce que moi j'ai fait 10 ans sans avoir. » Donc, quand il a fini de dire ça, tout le monde s'était calmé. C'était fini, quoi, la discussion. Oui. Donc, le chômage des jeunes, donc, au cœur de l'ouvrage de M. Sylla. Oui, allez-y. Et c'est à l'issue de cela que Joseph, un autre ami de Bourama, c'est un ami d'enfance, ils étaient très d'accord quand ils étaient au village. Maintenant, ils se sont retrouvés. C'est là-bas qu'ils vont se retrouver, à cet endroit de recrutement-là. Maintenant, Joseph, lui, il a une mentalité d'entrepreneur. Il n'est pas trop impliqué dans les démarches d'emploi et autres. Sauf que là, il était venu pour avoir un peu de moins pour financer un projet qu'il avait déjà. Oui. Maintenant, il commence à parler à ces vieux chômeurs-là, comme on peut le dire. Ces gens qui ont fait 3 ans, 10 ans sans trouver de l'emploi. Il leur a demandé qu'au lieu d'attendre un emploi, et si vous entreprenez, vous lancez un projet, il y a quelqu'un qui va dire que... même s'ils ont un projet, ils ne vont pas avoir de financement. Il y aura tant de discussions là-bas. Maintenant, c'est là qu'il va raconter une petite histoire sur un pacte que vous venez de dire, le pacte de Moneba. C'est sa grand-mère qui lui a expliqué cette histoire. Oui. Chaque soir, quand il se couchait, sa grand-mère lui racontait cette histoire. Et c'est juste avant de vous laisser raconter donc, ce pacte de Moneba, vous insistez dans le texte. Celui qui raconte, parle de ce pacte, disait que sa grand-mère racontait ça tous les soirs et qu'il aurait demandé à sa grand-mère, donc il a demandé à sa grand-mère, pourquoi elle racontait toujours cette même histoire. Ouais. Oui, donc c'était juste pour rappeler ça. Et là, sa grand-mère a dit qu'une fois qu'il sera grand, il verra, il saura l'importance de cette histoire-là. Oui. Alors, l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui voulait devenir président. Il était prêt à tout. Maintenant, on l'a conseillé d'aller voir un génie, qui est une dame qu'on appelle la reine de Moneba. Cette reine-là avait la possibilité de l'aider, mais à condition de faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est quand il va obtenir le pouvoir.
Il fallait qu'il s'engage. Il s'engage d'abord avant de... À respecter ses conditions. Puisque lui, pour toutes les conditions, en fait, il était prêt. Il était prêt. Et son seul objectif, c'était de devenir président. Exactement. Et donc, il accepta cette condition du génie. Oui. Et finalement, à sa grande surprise, ce génie-là n'avait pas besoin d'argent ou de quoi que ce soit. Elle avait juste besoin de nourriture pour elle et ses enfants. Elle enfantait 6 fois dans le mois, donc imaginez le nombre, le nombre d'enfants qu'elle peut avoir. Et sa nourriture, c'était de l'oisiveté, c'était le temps que les jeunes pourraient passer sans rien faire et tant d'autres choses. Donc elle a accepté, et le monsieur a accepté tout ça. Et donc c'est pourquoi les dirigeants, ils n'ont pas besoin de trouver de l'emploi pour les gens, ils n'ont pas besoin de se soucier trop des préoccupations qui occupent le bas peuple. Il faudrait que les gens comme Joseph, à qui l'histoire a été racontée, mettent en tête qu'il doit prendre sa responsabilité. Oui. S'il veut réussir, il ne doit pas attendre un responsable, un dirigeant ou qui que ce soit. Ceux-ci ont des pactes. Donc c'est un peu cela que ce conte que la grand-mère racontait. Oui. Allez, donc un conte, un message en tout cas fort, hein, comme pour dire à chacun des jeunes, à chacun de nous tous d'ailleurs, hein, même nous les moins jeunes, que chacun devra plutôt compter sur soi-même, donc plutôt que de penser plutôt que de compter sur donc les dirigeants, hein, en fait. Hein. Alors c'est vrai que en tant que jeune, le discours qu'on a l'habitude d'entendre, c'est de revendiquer, de dire on a besoin de ça, on a besoin de ceci. Et ce qui est curieux donc dans votre roman, c'est que vous pointez du doigt un tout petit peu, hein, hein, peut-être pas de façon disons, pas de façon incisive, hein, mais vous pointez du doigt quand même la jeunesse. Parce que c'est elle qui est responsable. Envie de dire, non, non, écoutez, il y a tous ces problèmes, mais jouons notre rôle. Voilà. On n'est peut-être plus là simplement à attendre que l'État fasse tout pour nous. Donc, c'est ça aussi qui se dégage donc, de votre roman. Une jeunesse à l'ombre, un roman en tout cas, peut-être, si je peux me permettre de dire, qui se lit d'un trait, qui est un roman simple, mais qui est très pertinent. Hein, qui saisit le lecteur, en tout cas moi je puis être saisi en raison des réalités palpables, hein, auxquelles les événements nous renvoient. Peut-être pour nous arrêter un tout petit peu puisque ça continue. Il y a cet autre événement, non moins important, même dirais-je spectaculaire. Donc, et c'est tellement juste de l'avoir abordé, je dois vous le dire, et c'est que vous nous donnez à comprendre, parce que c'est cette observation aussi qui est faite, hein, c'est que là, vous faites, dans ce passage en tout cas, de la rue, un lieu d'observation. Vous faites de la rue comme une scène où tous les problèmes sociaux s'expliquent ou s'offrent à notre regard, à notre compréhension. La rue, dans ce passage-là, est ce qui s'y déroule, et donc c'est un peu comme un échantillon de la sociologie quand on vit dans une capitale comme Conakry. Alors, je vais vous donner la parole là-dessus, parce qu'effectivement, il y a plusieurs scènes, hein, des scènes qui se déroulent dans d'autres. Hein. C'est une scène déjà d'abord dans un taxi. Hein, vous racontez que la ville de Conakry était toute droite, donc très tôt le matin, tout le monde prend la même direction. Les problèmes, ça évoque, hein, aussi le problème de toutes les difficultés de circulation à Conakry. Donc le manque de moyens de déplacement, hein, c'est les bus, c'est les taxis et tout le lot des problèmes que les gens vivent au quotidien. Et d'ailleurs, un passage très intéressant où vous dites que les moyens de déplacement dans une ville détermine les modes de vie et le niveau de vie des populations. Exactement. Parce que imaginez si notre pays connaissait un avancement comme on l'imaginait,
ça laisse se ressentir. Ce n'est pas que sur les papiers, ce n'est pas que dans les journaux que les journalistes, que les médias présentent. C'est aussi, c'est quelque chose qui devait aussi se ressentir à travers les modes de vie de la population, c'est-à-dire les moyens de transport, l'électricité, la nourriture, l'habillement, ainsi de suite. Le développement, c'est pas que dans les médias. Il faudrait que ça se ressente dans le mode de vie des gens, comme le transport. Oui, alors, et puis avec, avec toujours, hein, comme dans tout l'ouvrage, avec toujours des scènes, et là, incroyable, hein, un chauffeur de minibus, Bourama, observait de son taxi, et d'ailleurs, un événement d'abord dans le taxi, et déjà, les passagers ont souffert pour trouver une place, comme c'est le cas, hein. Et une fois à bord du taxi, on pense qu'on est sauvé, on va pouvoir rentrer à la maison, chez soi, sauf que à un moment donné, le chauffeur de ce taxi-là aperçoit quelqu'un et il gare sans rien dire au passager. Il descend, il parle un moment avec cette personne. Il revient dans le taxi et il dit au passager, je suis désolé, ce monsieur que j'ai vu là est un cousin, je dois le transporter à l'hôpital. Exactement. Donc, ce qui évidemment était tout à fait faux. Hein, c'est-à-dire que vous dites que, enfin, le narrateur dit que, sauf que ce malade, cette personne qui a urgemment besoin d'aller à l'hôpital, et souriait. Et donc, on s'aperçoit qu'il va donc débarquer tout le monde, parce que simplement, il avait besoin de plus d'argent. Cette personne avait plus de moyens, donc déplaçait le taxi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun respect pour les clients. Donc, celui qui donnait plus d'argent pouvait donc s'offrir tout le luxe. Et il y a toute une réflexion qui est faite autour de ça. Et donc, vous racontez que les taxis, à cause du manque de moyens de transport adéquats, faisaient des clients ce qu'ils voulaient. C'était des rois, etc. Et puis, mais à bord de ce taxi, Bourama observe une autre scène. C'est que c'est les minibus aussi à Conakry. Ces minibus-là, un apprenti a giflé. Une cliente, et pas n'importe quelle cliente, un passager, une passagère, et cette passagère, c'était quelqu'un qui était enceinte, sauf que bon, il s'était fait corriger par des passants. Donc voilà, donc justice rendue par les populations. Enfin, si vous évoquez comme ça, je dirais pas à l'emporte-pièce, mais de façon de façon un peu ramassée quelquefois, toutes ces situations à la fois. Et à travers cette, je vais dire que la jeunesse n'est pas seulement victime des problèmes qui surviennent. La jeunesse est aussi responsable, quelque part. Alors, il faudrait que nous changions de mentalité pour mieux aborder ces problèmes et mettre en application des solutions. Et comme solution, moi, j'ai proposé ici trois éléments. Ces trois éléments, j'espère que si nous parvenons à les mettre en application comme il faut, ça pourra faire effet. On va parler de ces trois éléments dans la dernière partie. Je note donc, mesdames et messieurs, une jeunesse à l'ombre. Merci de nous avoir suivis de bout en bout autour de cet entretien. C'est pas fini, quittez pas. À présent, nous passons à la deuxième rubrique. Il va consister à vous lire quelques extraits de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, le marque-page, c'est tout de suite. Nous sommes page 65. Pendant les 2 mois de révision du fichier électoral, le temple demeura dans un mutisme absolu. Tous ceux qui y passaient la journée étaient absents. Bourama et Alassane avaient été affectés à Cancan. Daouda et Soriba à Labé. Grâce à cet emploi, quoique de courte durée, certains avaient touché, pour la première fois de leur vie, une prime de 11 millions de francs. Cela représentait une fortune, en cette période où la misère ravageait tout sur son passage. À Conakry, ils revinrent comme ils étaient partis, 2 à 2. Bourama et Alassane rentrèrent dans l'après-midi et les deux autres arrivèrent peu de temps après le crépuscule. Les retrouvailles furent belles. Un carton de thé fut acheté pour l'occasion. Daouda s'occupa de l'infusion. Il fit la vaisselle, mit le feu dans le fourneau presque rouillé et se mit à le ventiler. De l'autre côté, dans la chambre, Alassane dépoussiérait les murs pour reprendre la peinture. Bourama prenait un bain.
Quant à Soriba, il téléphonait à sa correspondante de l'AB à travers le smartphone qu'il venait d'acheter. Aussitôt informés, Seydou et Oumar arrivèrent. Ils tinrent les arrivants au courant de l'anniversaire de leur camarade. Daouda fut excité d'apprendre que la fille dont il s'agissait était la plus belle du groupe scolaire à venir. « Les gars, dit-il, ne vous inquiétez pas pour ma poche. Faites en sorte qu'elle m'accepte, qu'elle me donne juste un bout de son attention. » Fin des citations. L'infusion transvasée, Daouda la moussait. Les camarades éloignés se rapprochaient, occupant des sièges autour du fourneau. Le temple renaquit de plus belle. Après le premier verre de retrouvailles, vint le moment des récits. Tour à tour, ils racontaient des vécus inoubliables de leur séjour. Ils ne parlèrent de personne qu'ils avaient rencontré, ainsi que l'immense hospitalité manifestée par celle-ci à leurs égards. La Guinée est comme une grande famille où l'on n'est partout chez soi. Cela se ressentait dans tous les récits. Ils n'arrêtaient pas de parler des femmes qui leur offraient de vivre, des jeunes qui leur faisaient visiter des sites intéressants, des enfants qu'ils chargeaient de commissions diverses, des vieilles personnes qui aimaient jouer au cousinage à plaisanterie avec eux. Ces histoires étaient ravissantes. Chacun était curieux de savoir ce que l'autre avait vécu. Fin des citations. Mesdames et messieurs, à présent, nous passons à la dernière rubrique avec notre auteur, bien entendu. Question que nous lui poserons face caméra, une jeunesse à l'ombre pour les questions que nous posons face caméra à notre auteur. C'est tout de suite. Monsieur Souleymane Kadiatou Sylla, bonjour. La première question est la suivante. Vous évoquez des problèmes auxquels les jeunes sont confrontés dans votre ouvrage. Dites-nous, d'après vous, quelles sont les solutions que vous proposez ? Pour résoudre ces problèmes qu'on a évoqués tout au long de cette œuvre, il y a trois solutions. La première, c'est l'implication des familles. Il faudrait que l'éducation à la base soit améliorée, que les parents prennent leurs responsabilités, parce que c'est de là d'où viennent tous ces jeunes-là. Et deuxième solution, c'est l'entrepreneuriat, parce que ça résout les problèmes de chômage et certains problèmes financiers et autres. Et troisièmement, on n'a pas pu l'évoquer ici, il y a le panafricanisme qui doit être là. Parce qu'au-delà de toutes ces réalités locales qu'on voit dans chaque pays, il faudrait qu'on mette en avant la fierté d'appartenir à cette Afrique et de se libérer de tous les complexes. La deuxième question est la suivante. La publication de votre ouvrage intervient en période de transition. Puisque votre ouvrage évoque la question de la jeunesse, dites-nous, d'après vous, quelle devrait être l'attitude de la jeunesse pendant cette transition qui est cruciale pour notre pays ? Dans cette transition, la jeunesse, elle doit être vigilante. Elle ne doit pas se laisser piéger par de simples mots. Elle doit observer le concret, ne pas suivre seulement ce que les autorités disent. Il faudrait qu'ils partent en profondeur, qu'ils voient ce que ces gens-là disent et racontent, est-ce que ça met en avant l'intérêt du peuple. Et qui parle de l'intérêt du peuple parle forcément de l'intérêt de la jeunesse, parce que c'est elle qui occupe la majorité de la population. Donc il faudrait qu'elle reste vigilante. Admirables téléspectatrices et téléspectateurs, mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis de bout en bout autour de l'ouvrage de Souleymane Kadiatou Sylla, Une jeunesse à l'ombre. Je vous dis à la prochaine pour un autre numéro avec, bien entendu, un autre.